Nous allons lire Lévitique 5 à 7. Quelques exemples concrets. 5. Supposons qu'un homme entende un appel solennel adressé à ceux qui ont été témoins d'une affaire. S'il refuse d'aller dire ce qu'il a vu ou appris, c'est un péché dont il porte la responsabilité. Autre exemple. Un homme entre en contact avec quoi que ce soit d'impur. Cadavre d'une bête impure. Qu'elle soit sauvage ou domestique, ou cadavre d'une bestiole impure. Même s'il ne s'en est pas rendu compte, il est devenu impur et il en porte la responsabilité. Autre exemple, un homme entre en contact avec un être humain atteint d'une impureté qui se transmet telle qu'elle soit. Il ne s'en est peut-être pas rendu compte sur le moment, mais dès qu'il l'apprend, il en porte la responsabilité. Autre exemple, un homme se laisse aller à prononcer un serment inconsidéré dans n'importe quel domaine. Que ce soit à l'avantage ou au détriment de quelqu'un, lorsqu'il s'en rend compte, il en porte la responsabilité. L'homme qui est responsable d'une faute, du genre de celle qui vient d'être décrite, doit confesser en quoi il a péché. Ensuite, pour obtenir le pardon de la faute commise, il doit emmener une brebis ou une chèvre qu'on offre en sacrifice au Seigneur à titre de réparation. Alors le prêtre effectue sur lui le geste rituel du pardon de son péché. F. Le sacrifice des pauvres. Si un homme n'a pas les moyens de fournir une brebis ou une chèvre à titre de réparation pour le péché commis, il peut apporter au Seigneur deux tourterelles ou deux pigeons. L'un des oiseaux est destiné à un sacrifice pour obtenir le pardon, l'autre à un sacrifice complet. L'homme les remet au prêtre qui présente au Seigneur d'abord l'oiseau offert pour le pardon. Il lui rompt la nuque, mais sans détacher la tête. Il fait couler une partie du sang le long du côté de l'autel et répand le reste à la base de l'autel. C'est un sacrifice pour obtenir le pardon d'un péché. Ensuite, le prêtre offre le second oiseau en sacrifice complet, selon la règle. Or, alors il effectue sur le coupable le geste rituel du pardon des péchés, et celui-ci obtient le pardon de Dieu. Si un homme n'a pas à sa disposition les deux tourterelles ou pigeons exigés, il peut apporter 3 kilos de farine comme offrande pour obtenir le pardon de son péché. Mais il ne doit pas verser d'huile ni déposer d'encens dessus, puisque c'est une offrande pour le pardon. Il apporte la farine au prêtre, qui en prélève une poignée, appelée mémorial, et la brûle sur l'autel avec les autres sacrifices consumés pour le Seigneur. C'est une offrande pour obtenir le pardon. Alors le prêtre effectue sur le coupable le geste rituel du pardon pour le péché commis, et l'homme obtient le pardon de Dieu. Le prêtre accomplit cette cérémonie comme dans le cas d'une offrande végétale. Le sacrifice de réparation. Le Seigneur dit à Moïse. Si un homme par mégarde commet une faute grave à l'égard des offrandes consacrées au Seigneur, il doit procéder comme ceci. Il amène pour le Seigneur, à titre de réparation, un bélier sans défaut, dont la valeur correspond au tarif en vigueur au sanctuaire. Cet animal est destiné à un sacrifice de réparation. L'homme doit en outre compenser le préjudice subi par le sanctuaire et ajouter à cette compensation un cinquième de sa valeur et il remet le tout au prêtre. Après avoir offert l'animal en sacrifice, le prêtre effectue sur le coupable le geste rituel du pardon des péchés et celui-ci obtient le pardon de Dieu. Si l'homme pêche en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur, il est coupable, même s'il l'a fait sans s'en rendre compte, et il emporte la responsabilité. Il doit emmener au prêtre un bélier sans défaut de la valeur réglementaire pour un sacrifice de réparation. Le prêtre effectue sur le coupable le geste rituel du pardon pour le péché qu'il a commis par inadvertance, et l'homme obtient le pardon de Dieu. C'est un sacrifice de réparation, car l'homme était effectivement coupable envers le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, « Supposons qu'un homme commette une faute grave envers le Seigneur en faisant du tort à un compatriote. Par exemple, il ment au sujet d'un objet qu'il a reçu en dépôt, qu'il a emprunté, volé ou extorqué. Ou bien il a trouvé un objet perdu et il le nie. Ou encore il prononce un serment mensonger pour camoufler n'importe quel méfait du même genre. Cet homme a donc commis une faute et il est coupable. Il doit restituer l'objet qu'il a volé, extorqué, trouvé ou qu'on lui a confié, ou l'objet au sujet duquel il a prononcé un faux serment. Non seulement il le restitue intégralement, mais il ajoute encore un cinquième de sa valeur. Il le remet au propriétaire légitime dès qu'il se reconnaît coupable. Il doit ensuite emmener au prêtre un bélier sans défaut de la valeur réglementaire pour un sacrifice de réparation offert au Seigneur. Alors, devant le Seigneur, le prêtre effectue sur l'homme le geste rituel du pardon pour le péché dont il s'est rendu coupable, et l'homme obtient le pardon.
changer de vêtements et emporte les cendres dans un endroit pur, hors du camp. Le feu qui brûle sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Chaque matin, le prêtre y remet des bûches sur lesquelles il dispose le sacrifice complet avant d'y brûler les morceaux gras des sacrifices de communion. Un feu perpétuel doit brûler sur l'autel sans jamais s'éteindre. P. L'offrande végétale. Règle concernant l'offrande végétale. Ce sont les fils d'Aaron qui doivent la présenter au Seigneur devant l'autel. L'un des prêtres y prélève une poignée de farine mêlée d'huile et tout l'encens et brûle sur l'autel. Cette partie d'offrande appelée mémoriale. Le Seigneur en apprécie la fumée odorante. Ce qui reste peut être consommé par Aaron et ses fils, mais ils doivent le manger sans y ajouter de levain dans un endroit réservé au sanctuaire, à savoir dans la cour de la tente de la rencontre. On ne le cuira donc pas avec du levain. En effet, la part que le Seigneur leur attribue ainsi provient des offrandes qui lui sont destinées. C'est une part qui lui est strictement réservée, tout comme celle qui provient d'un sacrifice pour le pardon ou d'un sacrifice de réparation. Seuls les descendants mâles d'Aaron peuvent en consommer, car cette partie des offrandes apportées au Seigneur leur est réservée pour toujours. À cause de cela, toute autre personne qui entrerait en contact avec elle subirait des conséquences fâcheuses. Le Seigneur dit à Moïse, dès qu'ils seront consacrés, Aaron et ses fils devront offrir au Seigneur 3 kilos de farine par jour, la moitié le matin, l'autre moitié le soir. La farine doit être pétrie avec de l'huile et la pâte obtenue cuite sur la plaque. Puis cette galette est brisée en morceaux avant d'être offerte au Seigneur. Le Seigneur en appréciera la fumée odorante. Lorsqu'un descendant d'Aaron sera consacré comme grand prêtre, il observera la même pratique. C'est une offrande perpétuelle qui est intégralement brûlée pour le Seigneur. En effet, toute offrande végétale faite par un prêtre est totale. On ne doit rien en manger. C'est le sacrifice pour obtenir le pardon. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer encore les prescriptions suivantes à Aaron et à ses fils. Règle concernant le sacrifice pour obtenir le pardon. On doit égorger l'animal devant le sanctuaire, à l'endroit où l'on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. C'est une offrande strictement réservée à Dieu, et le prêtre officiant ne peut la manger que dans un endroit réservé au sanctuaire, à savoir dans la cour de la tente de la rencontre. Tout ce qui entrerait en contact avec la viande d'un tel sacrifice subirait des conséquences fâcheuses. Si du sang de la victime gicle sur un vêtement, la partie tachée doit être lavée dans un endroit réservé au sanctuaire. Si on cuit la viande dans un récipient en terre, il faut ensuite briser le récipient. Si on la cuit dans un récipient de bronze, on le nettoiera et on le rincera à grande eau. Seuls les hommes des familles et sacerdotales peuvent manger de cette viande, puisqu'elle est strictement réservée à Dieu. Toutefois, si le sang d'un animal sacrifié a été porté à l'intérieur de la tente de la rencontre et utilisé dans le sanctuaire pour une cérémonie de pardon, la viande de cet animal ne doit pas être mangée, mais jetée au feu. D. Le sacrifice de réparation. 7. Règle concernant le sacrifice de réparation. Il s'agit d'une offrande strictement réservée à Dieu. On doit égorger l'animal à l'endroit où l'on égorge les animaux offerts en sacrifice complet, puis on asperge de son sang les côtés de l'autel. On présente au Seigneur des morceaux gras suivants. La queue, la graisse qui recouvre les entrailles, les deux rognons avec la graisse qui y adhère ainsi qu'au flanc, et le lobe du foie qu'on détache en même temps que les rognons. Le prêtre brûle le tout sur l'autel. C'est un sacrifice de réparation consumé pour le Seigneur. Seuls les hommes des familles sacerdotales peuvent manger de la viande de cet animal. Ils la consommeront dans un endroit réservé au sanctuaire, puisqu'elle est strictement réservée à Dieu. Ces règles concernant le sacrifice de réparation sont identiques à celles concernant le sacrifice pour obtenir le pardon. La viande de l'animal revient au prêtre qui a présidé la cérémonie de pardon. E. Ce qui revient au prêtre. Lorsqu'un homme offre un sacrifice complet, la peau de l'animal revient au prêtre qui préside la cérémonie. Les offrandes végétales, qu'elles soient cuites au four, dans la poêle ou sur la plaque, reviennent au prêtre qui préside la cérémonie. Par contre, les offrandes non cuites sont partagées à égalité entre les prêtres, aussi bien celles qui sont préparées avec de l'huile que les autres. F. Le sacrifice de communion. Règle concernant le sacrifice de communion offert au Seigneur. Quand un sacrifice est offert pour accompagner un chant de louange, on apporte en plus de l'animal à sacrifier des gâteaux à l'huile cuite sans levain, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux faits de farine pétrie avec de l'huile. On apporte en outre une offrande de pain levé pour accompagner le sacrifice de louange. On prélève sur ces offrandes une pièce de chaque espèce. Pour le Seigneur, ces gâteaux-là reviennent ensuite au prêtre qui a aspergé le sang des côtés de l'autel. Quant à la viande de l'animal sacrifié, elle doit être consommée le jour même.
troisième jour, quelqu'un mange de la viande provenant du sacrifice. Celui qui a offert le sacrifice ne peut pas obtenir la faveur du Seigneur. Son sacrifice est tenu pour nul, car la viande est devenue impropre à tout usage religieux. Celui qui en mange se rend coupable d'une faute. Si la viande est entrée en contact avec quelque chose d'impur, on ne doit pas la consommer, mais la jeter au feu. Il faut être en état de pureté pour manger la viande du sacrifice. Si quelqu'un est en état d'impureté personnelle et mange de la viande d'un sacrifice de communion offert au Seigneur, il sera exclu de la communauté d'Israël. Et il en ira de même pour quiconque en consomme après avoir été en contact avec un être humain impur, un animal impur ou une bestiole impure. Prescription à l'usage du peuple. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les règles suivantes. Vous ne devez consommer aucun morceau gras d'un animal, bœuf, mouton ou chèvre. La graisse d'une bête crevée ou tuée par des animaux sauvages ne doit pas être mangée, mais peut servir à n'importe quel autre usage. Si quelqu'un mange un morceau gras d'un animal destiné à être consumé en sacrifice pour le Seigneur, il sera exclu de la communauté d'Israël. Vous ne devez jamais consommer non plus le sang d'un oiseau ou d'une bête, quel que soit l'endroit où vous habitez. Si quelqu'un consomme du sang, il sera également exclu de la communauté d'Israël. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites encore les règles suivantes. Lorsqu'un homme offre un sacrifice de communion, il donne au Seigneur la part qui lui revient. Il apporte lui-même ce qui est réservé au Seigneur, à savoir les morceaux gras et la poitrine de l'animal. La poitrine doit lui être offerte avec le geste rituel de présentation. Le prêtre brûle alors les morceaux gras sur l'autel. Quant à la poitrine, elle revient à Aaron et à ses fils. Vous devez également prélever le gigot droit de l'animal sacrifié et le remettre au prêtre. C'est en effet la part attribuée à celui des fils d'Aaron. Lui apporte à l'autel le sang et les morceaux gras de l'animal. Le Seigneur lui-même vous ordonne, à vous les Israélites, de mettre de côté la poitrine et le gigot des animaux offerts en sacrifice de communion pour les donner au prêtre Aaron et à ses descendants, car ces morceaux-là leur sont réservés pour toujours. Ces parts prélevées sur les sacrifices offerts au Seigneur revinrent à Aaron et à ses fils dès qu'ils furent installés dans leur ministère de prêtre du Seigneur. Le Seigneur ordonna aux Israélites de les leur remettre le jour où il les consacra. Cette prescription doit être observée en tout temps. Telles sont les règles concernant les sacrifices complets, les offrandes végétales, les sacrifices pour obtenir le pardon, les sacrifices de réparation, les sacrifices d'installation et les sacrifices de communion. Le Seigneur les a transmises à Moïse sur le mont Sinaï, dans le désert, le jour même où il a ordonné aux Israélites de lui offrir des sacrifices.